Média sur Africa. L'Afrique parle. Mais simplement, nous devons garder espoir parce que nous sommes des croyants. Alors, j'ai ici quelques cantiques pour ceux qui peuvent chanter sur les airs de la foi. Je ne donne pas qu'à vous, c'est pour qu'on chante pendant le service et on va remettre à la fin. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent chanter avec nous? Voilà. Bien-aimés, peuple de Dieu, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes rassemblés ici ce soir pour célébrer la vie. La vie de notre maman. La vie de notre grand-mère. La vie, je dirais, de notre arrière-grand-mère. Maman, ma feu Wanji Christine, qui a vécu son temps, parce qu'elle est née en 1934 et est décédée en 2023. Ceux qui font les calculs peuvent comprendre qu'elle était âgée de 89 ans. C'est une grâce. Et nous sommes ici ce soir pour célébrer sa vie parce qu'elle a été rappelée à Dieu. C'est pour cela que je voudrais vous inviter à vous mettre debout, pour ceux qui le peuvent. Je sais que tous ici nous sommes jeunes et forts. Mettons-nous debout dans la présence du Seigneur pour commencer notre service. Et nous allons chanter dans le cantique numéro 475. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Parce que, quel que soit ce qui nous arrive, nous devons reconnaître quelles sont les voies de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout.
puissant tout Dieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout lieu. Nos châtiments qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulait expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous voulons un retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce chant retentisse à tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse à tout lieu. Prions Dieu. Éternel notre Père, notre sœur, notre mère, notre grand-mère, ma maman Feu Wanji, quitte maintenant sa demeure terrestre, laissant derrière elle la souffrance de ceux qui l'aiment. Seigneur, nous prions pour que tu nous donnes de garder son souvenir, non dans l'amertume de ce que nous perdons, ni même dans le seul regret du passé, mais dans l'espérance de ton royaume. Dieu de toute consolation, apaise et soutiens par ta présence nos frères, nos sœurs dans le deuil, pour les dures étapes qui vont suivre. Et toi, Jésus, qui fus l'homme de douleur et qui a porté toutes nos épreuves, viens remplir toi-même au long des jours qui viennent, le vide laissé par ce départ. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, demeure sur chacun parmi nous. Amen. Amen. Asseyez-vous bien aimés. Écoutons ce psaume de David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oindules ma coupe. Tu oindules ma tête.
et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous allons exécuter cet autre cantique. Là, nous allons rester debout, assis, tant pour moi. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? C'est le 259. Pour ceux qui ont des cantiques, 259. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Ah, soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés, Jésus, je viens à toi. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Longtemps j'ai loin de sa face, provoqué son saint courroux. Sa grâce, blessé le ciel devant tout. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur, prends-moi. Jésus, à toi, je cède. Je veux être libéré. De tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, oui, Seigneur, prends-moi. Alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, je viens à toi. Oui, accepte-moi. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur. Écoutons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Et cela, pour que vous ne vous affligiez pas comme des hommes qui n'ont point d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous devons croire aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Pour vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ainsi, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. Vous êtes enfants de la lumière et enfants du jour. Parce que nous sommes enfants du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi et de la charité. Et prenons pour casque l'espérance du salut. En effet, ce n'est pas à subir sa colère que Dieu nous a destinés,
mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Prions le Seigneur. Notre Père et Dieu, dans nos heures obscures, reste avec nous. En toi, nous avons la lumière de la foi et de l'espérance. Sans toi, Seigneur, nous serions seuls dans la nuit. Reste avec nous, Seigneur, à l'heure du deuil, à l'heure de la séparation douloureuse, quand il nous faut quitter un être aimé pour cheminer désormais solitaire. Quand il nous faut quitter une mère pour désormais cheminer orphelin. Seigneur, éclaire de ta présence notre chemin. Sois notre guide et notre consolateur. Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Reste avec nous, Seigneur, à l'heure de la souffrance, de la crainte, du désespoir. Sois toi-même notre courage et notre confiance. Reste avec nous, à l'heure où nous parviendrons un jour, peut-être sans le savoir, au terme de notre vie. Oui, Seigneur, reste avec nous, car tu peux, seul, éclairer pour nous la fin de notre route. Père, ne nous abandonne pas en face du mystère de la mort. Ne nous laisse pas seuls. Reste avec nous, Seigneur. Amen. Amen. Écoutons encore, bien-aimés, quelques paroles de l'Évangile, parce que ce n'est que par elles que nous pouvons être consolés à des moments comme ceux-ci. Après cela, nous écouterons une exhortation qui vient de la parole de Dieu. Après cette exhortation, excusez-moi, nous écouterons les témoignages de la famille, deux ou trois témoignages, très brièvement. Nous prendrons une offrande, nous prierons pour la fin de notre soirée. Écoutons donc, bien-aimés, cette parole qui sera pour nous le guide de la méditation de ce soir. Le texte, nous le trouvons dans le livre de 2 Timothée, au chapitre 4. 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. Il est écrit. Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. C'est ici la parole de Dieu. Prions le Seigneur.
Éternel notre Père, en ces moments, toi qui peux guérir cette plaie béante, ouverte, causée par le départ, je prie donc, Seigneur mon Dieu, pour que la parole que nous allons écouter ce soir accomplisse dans nos cœurs son œuvre, pour que nous soyons consolés et affermis. Au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Et ensuite, nous déroulerons la suite de notre service. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Nous devons nous incliner devant la mémoire de celle qui s'en est allée, qui nous a précédés. Dans le psaume 90 et le verset 12, il est écrit: Enseigne-nous, Seigneur. Dis après moi la sagesse. La Bible dit que la crainte de Dieu, voilà, ou la crainte de l'Éternel, est le commencement de la sagesse. Je n'ai pas dit la crainte de Dieu, c'est la sagesse. Je dis, c'est le commencement de la sagesse. C'est pour cela que nous devons, de temps en temps, nous arrêter. On se retire d'abord pour reprendre les forces. Et notre force est en l'Éternel, pour ceux qui croient. Je sais que tout le monde croit, même celui qui ne croit pas. Parce que quand tu dis que tu ne crois pas, ça veut dire que tu crois déjà. Et nous avons écouté la lecture de la parole de Dieu. J'aurais dit que l'homme que nous sommes doit évoluer en trois étapes. Il y a le temps de l'ignorance. Il y a le temps de la prise de conscience et il y a le temps du bilan. C'est pour cela que lorsque Paul, l'apôtre, l'un des plus grands des apôtres, l'apôtre Paul, qui s'appelait autrefois Saul, qui était autrefois un docteur de la loi, qui connaissait la loi de Dieu, parce que beaucoup de gens ont cru que Paul était tellement méchant qu'il faisait tuer les chrétiens. Les chrétiens étaient des personnes qui avaient apporté une nouvelle doctrine. Et Paul croyait que cette doctrine est contre la volonté de Dieu. Donc il persécutait ces gens pour la gloire de Dieu. Très jeune, qui avait notre âge à nous ici, nous tous pour certains. Il dit, au chapitre 4, verset 6, jusqu'au verset 8. Car pour moi, là-bas c'est le temps du bilan. Car pour moi, je sers déjà des libations. Et le moment de mon départ est proche. Parce que beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous croyons que si on dit que quelqu'un va partir demain, chacun voit l'autre. Personne ne se voit en train de partir. Pour une anecdote, dans un village chez nous, vous connaissez, on a beaucoup de coutumes. Et dans un village, la coutume dit que lorsque vous venez au deuil à l'enterrement, le patriarche du village sort toujours avant la clôture du deuil pour donner un message des ancêtres. Et le message qu'il a donné ce jour-là disait ceci: à la fin de ce deuil, la première personne qui partira du lieu du deuil sera la prochaine personne qui devra partir. Tout le monde est resté. Lui-même n'est pas parti. Il avait 94 ans, mais il ne partait pas. Il voyait que c'est quelqu'un d'autre qui doit partir. C'est une anecdote. Et on dit que les gens sont restés 3 jours. D'autres priaient, d'autres ils appelaient, les gens se déchargeaient.
Quelqu'un appelle, il dit pardon, aidez-moi, je veux rentrer chez moi. On dit mais rentre seulement. Donc il voulait que quelqu'un d'autre parte d'abord pour que lui rentre chez lui. Donc chacun voit toujours que c'est le tour de l'autre, pas son propre tour. C'est pour attirer l'autre. L'heure du bilan. Paul reconnaît et dit. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Des résultats. Ce n'est pas comme en prison. Parce que si vous allez en prison, vous demandez à un prisonnier qu'on a trouvé en train d'égorger quelqu'un, que qu'est-ce que tu as fait, il va dire, on dit que j'ai tué quelqu'un. Ce n'est pas lui-même qui dit, lui ne sait pas. Pour faire le bilan. Et Paul dit, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, ce soir, je voudrais attirer notre attention sur ce que nous sommes, sur ce que nous devons faire. Vous savez, parfois lorsque nous venons à un deuil, il y a des deuils et des deuils. Il y a des deuils où on pleure. Parce que nous avons l'impression que cette personne n'a pas accompli ce pourquoi elle est venue sur terre. Il y a des gens qui ont les morts précoces. Ici, ce n'est pas pour pleurer, c'est pour célébrer la vie. Et chacun de nous a envie de célébrer la vie. Vous savez, c'est bon, c'est équilibré. Il faut trouver la qualité là. Je pousse à courir comme ça, toi tu vas vite. Si tu me donnes même pas fait pour nous, même pour les enfants, c'est toujours bon. Ça peut prolonger. Là, c'est pour jouer un peu. Parce que nous ne sommes pas à dire le peuple à ce temps. Parce que le temps ne t'appartient pas. Est-ce que tu comprends que tu es encore libre de prendre tes décisions, tes projets? Nos gens, à 90 ans, ils ont le projet de mariage. Chacun a le projet, ne laisse jamais le projet à l'heure que tu as fixé pour lui. Pour certains, ils vont bébé. Il me souvient que parfois, il y a les morts. D'autres meurent à la sortie. D'autres meurent quelques mois après. D'autres des années plus tard. Mais Dieu a donné à chacun de nous grâce pour grâce. Que dans cette affaire de vie, lorsque nous disons nous allons célébrer la vie, il faut que la vie soit célébrée. Et la Bible dit que leurs œuvres les accompagneront. Quand tu as servi Dieu, quand tu t'es bien comporté dans la société, quand tu as été bien pour ta famille, vous savez, aujourd'hui, les bonnes nouvelles n'ont même pas les pieds. Les bonnes nouvelles, c'est les handicapés. La mauvaise nouvelle a même quatre pieds. Elle court comme le lièvre. Les souhaits que les gens dégagent vis-à-vis de toi. Tandis que d'autres ont même appelé l'immigration. D'autres menacent certains qui viennent. Si tu continues, j'appelle l'immigration sur toi. Et si l'ange te disait que si tu continues, j'appelle la mort sur toi. Quand tu as bien travaillé, tes œuvres t'accompagnent. Mais quand tu as mal travaillé, tes œuvres te poursuivent. C'est-à-dire que tu cours devant et les œuvres sont derrière pour te rattraper et t'étrangler. Choisissons de travailler pour la bonne cause. Et maintenant,
on compte ton séjour ici, c'est ton séjour ici qui doit avoir Mon Christ aime davantage, il t'a conduit dans ton pèlerinage, il te soutient dans le sombre passage. Adieu, maman, adieu, 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 maman. Une âme fidèle. Âme fidèle entre dans la patrie, d'où la souffrance est à jamais bannie. Vois au long train, au fleuve de la vie. Adieu, maman, adieu, maman, adieu, 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 maman. Dieu. Nous prions. Dans ta parole, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Tu as la vie et tu as la vie éternelle. Je viens te présenter la vie de cette femme qui s'en est allée, qui a été une école pour ses alentours, pour ses générations, pour ses enfants. Je prie que tout ce qu'elle a posé comme acte prenne un effet positif en ce moment. Notre passage, Seigneur, sur terre est une école pour certains. Fil de délivrance. Le coup de fil qui doit résonner. Que la lettre qui doit atterrir dans leur boîte. Cette lettre qui va définir leur situation dans ce pays, que cette lettre arrive avec de bonnes nouvelles au nom de Jésus-Christ. Que là où les hommes ont dit non, que tu dises oui. Parce que lorsque tu as dit oui, personne ne peut dire non. Que tu fermes les portes de l'échec devant chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, parce que lorsque tu as fermé une porte, personne ne peut l'ouvrir. Je prie pour ce peuple et pour les enfants. Tu as dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras jamais atteint. De tes yeux simplement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ceux à qui les médecins, les laborantins ont diagnostiqué des maladies incurables, rien n'est incurable à tes yeux au nom de Jésus-Christ. Seigneur, on sortit de cette salle. Que le joug de la maladie tombe au nom de Jésus-Christ. Ok, merci, merci pasteur. Vous nous asseoir bien aimés, nous irons assez rapidement maintenant. Nous allons prendre pour le moment une offrande. Et je voudrais inviter deux ou trois personnes. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Son amour, oui, quel ami fidèle. Voilà, pour ce qui est des témoignages, nous allons d'abord appeler Maman Anne. Les moments que vous avez passés, qu'on a le positif, donc laissez-vous aller. Bonsoir, M. Révérend. Bonsoir à tout le monde. Vraiment, je vous remercie d'avoir
Donc, de venir poser la main sur cette cœur que nous avons depuis le décès de maman. Nous vous remercions. Maman était vraiment une maman qui conseillait. Dès que nous nous rassemblons à côté d'elle, elle était toujours très contente de voir ses enfants, de nous conseiller, de parler toujours les paroles douces. Vraiment, la maladie, elle a été longtemps malade et le Seigneur l'a rappelé. Nous ne pouvons que dire merci au Seigneur de la garder auprès de lui. Maintenant, nous ne pouvons plus rien faire. Parce que quand le Seigneur a décidé, c'est comme ça. Et elle nous a beaucoup encadrés, toujours souriant, à tout moment. Donc nous ne pouvons que dire au revoir, maman, et que ton âme repose en paix. Et que tout le monde qui est venu mettre la main au cœur, que le Seigneur vous accompagne jusqu'à à vos maisons respectives, juste à ce que vous n'éteignez pas le pied. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, maman. Alors, la grand-mère, arrière-grand-mère, s'en va à 90 ans. Et la chance donc pour nous ce soir d'écouter l'un de ses petits-fils, en la personne d'Eric Steve. Eric Steve, votre témoignage. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, je suis souriant. Je suis très souriant. Parce que maman a marqué son temps. Et on avait tellement parlé en ce qui concerne sa mort. Tout le temps, on avait des causeries intimes en ce qui concerne sa mort. Et je ne sais pas trop ce que je peux dire. Mais je suis fier de toi, grand-mère. Je suis fier de ton amour. Je suis très content. Et j'aimerais faire un petit sketch en son honneur. Nda, Ticho, on go knack. Ticho, on go nju. Ticho, en tout ça. Moi, oh mon chéri, tu es là, 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 tu es là. Et elle me gavait toujours de bonnes choses. Une petite traduction rapide en français. Écrase-moi les arachides, écrase-moi le pistache. S'il te plaît, est-ce que tu vas aller me puiser de l'eau? Est-ce que. Je te parle, je te demande de faire telle chose. Tu es toujours en train de piaffer, piaffer. Pourquoi est-ce que tu piaffes, mon bébé, mon mari? Papa Mwemba. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Papa Mwemba là. Maman, je vais te dire quelque chose. Tu as laissé l'impact de ton énergie dans ma vie. Je ressens les vibrations de ton énergie. Alors, je ne dirai pas que tu reposes en paix, maman. Je dirai que tu continues ton travail. Que ton énergie ne cesse de vibrer. Continue de là où tu es. Si c'était la fin de l'évolution de ta vie sur Terre, alors que tu retrouves l'espace céleste et que tu vibres fortement sur moi. Mais si ce n'était pas la fin de ton processus, maman, alors reviens à nouveau et puis vibrons ensemble. Car je sais que tu vibres, maman. Alors vivons pour l'infini et pour toujours. Je t'aime, maman. Applaudissez s'il vous plaît, n'ayez pas peur d'applaudir. C'est ça le talent de poète. Quand on a grandi avec grand-mère, qu'on le veuille ou pas, on est un griot dans l'âme. Voilà, ça me rappelle la mienne aussi, elle est partie, elle continue de vibrer. Et chacun sûrement a une histoire avec sa grand-mère, l'Antonce. Je nous on dit ça, qu'on va puiser de l'eau. Alors, je vais appeler un autre qui a le sang de maman qui coule dans ses veines. Un rassembleur, quelqu'un pour qui, j'ai pas envie de dire la majorité de personnes ici présentes sont venues. On est là
parce qu'il est au quotidien auprès de toutes les personnes qui ont un souci, que ce soit dans la joie ou dans le bonheur. Il s'appelle Augustin. Carlos, tu vas parler malgré la douleur, mon frère. Bonsoir, mesdames, bonsoir, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je vais dire comme beaucoup de personnes le disent souvent, c'est souvent douloureux de prendre la parole en de pareilles circonstances. Pourquoi douloureux? Pas parce qu'on manque de mots ou pas parce qu'on n'a pas envie de parler, mais parce que quand on regarde la vie de ma maman, l'âge à laquelle elle décède, c'est difficile de résumer 90 ans de vie en 2 minutes ou en une soirée. Donc il y aura tellement de choses à dire que je préfère être bref, vous épargner de tous ces détails et vous faire juste un petit résumé de son dernier voyage sur la Terre, c'est-à-dire ses derniers jours qui ont précédé son décès. Maman quitte Yaoundé pour Ngaoundéré chez mon petit frère où elle devait passer quelques jours. Une fois en Ngaoundéré, 2 semaines après, elle fait un malaise parce qu'il faut dire que maman était asthmatique. Elle a vécu avec l'asthme pendant toute sa vie, ce qui fait qu'on était déjà habitué à voir ses crises d'asthme au quotidien. Et elle marchait avec une panoplie de médicaments contre l'asthme, les Ventolin, pour ceux qui connaissent l'asthme et peuvent comprendre. Donc maman avec tous ces médicaments, et elle a pris ça pendant toute sa vie. Ce qui fait qu'à un moment donné, ces médicaments n'avaient même plus d'effet sur elle. Parce que tellement elle en prenait que le corps même s'est habitué à ne plus réagir. Donc maman a eu ce malaise en Ngaoundéré chez mon petit frère. On l'a transporté à l'hôpital de Ngaoundéré où elle a fait 3 jours en réanimation. Sa santé n'allait pas toujours bien. Alors les médecins nous ont conseillé de l'amener dans un centre plus grand, c'est-à-dire Yaoundé ou Douala. C'est comme ça qu'on a décidé donc de chercher une ambulance dans le Grand Nord. Déjà, l'hôpital de Ngaoundéré n'avait pas d'ambulance. Il fallait fouiller dans tout le Grand Nord quelqu'un qui pouvait nous aider avec une ambulance. C'est comme ça qu'on a pu transporter maman avec une ambulance privée de Ngaoundéré. Voilà, je vous épargne les détails de tout ce trajet. Une fois donc à Yaoundé, elle a été internée à l'hôpital central où elle a passé 10 jours également en réanimation. Sa situation ne s'améliorait pas et à un moment donné, elle ne voulait plus prendre ni d'oxygène. Elle a carrément enlevé tous les tubes et les câbles qui passaient sur elle. Et d'ici, c'est son jour, vraiment qu'on la laisse aller se reposer. On a essayé avec les médecins de la convaincre que non, ça va aller, il faut remettre ces oxygènes-là, tu as besoin de ça. Maman l'a refait et malheureusement, ça n'a pas tenu longtemps. Jusqu'à ce qu'un médecin vienne nous dire qu'il faut qu'on aille l'amener chez un pneumologue. Peut-être que ses poumons vraiment ont un problème. On a donc pris rendez-vous avec un pneumologue à Yaoundé. Au moment de faire cette transition de l'hôpital central, on m'a dit que ça suffisait pour elle. Il était temps qu'elle aille se reposer. Donc voilà, brièvement, les derniers jours de maman sur terre. Et je voudrais pas qu'on m'a dit le maître du culte qu'on se lamente sur son sort, mais plutôt qu'on fête ce départ parce que maman a atteint un âge où beaucoup n'atteignent pas et peut-être n'atteindront pas. Donc pour moi c'est une grâce, c'est une grâce. Tout ce que je peux demander à votre auguste assemblée, c'est de la mettre dans vos prières pour que cette phase de transition, parce que maman est en phase de transition en fait. Elle part du corps physique pour l'esprit. Comme on dit souvent, les morts ne sont pas morts. Donc nous prions beaucoup pour elle pour qu'elle passe cette phase de transition dans la paix et dans l'amour. Et tout ce que je voudrais qu'on retienne de maman, c'est certaines valeurs qu'elle nous a inculquées. Maman est une femme de paix, une femme de tolérance, une femme humble et une femme persévérante, une femme d'amour. Voilà les valeurs que je garde de maman. Et je vous dis merci du fond du cœur que vous êtes déplacés pour venir nous accompagner dans cette épreuve. Que nous célébrons ensemble la vie de maman sur terre. Et
une fois de plus, que le bon Dieu puisse amener chacun dans son domicile, sans erreur, sans incident. Je vous remercie. D'accord, merci. Je vais rappeler au propriétaire du véhicule HPZ2. 2879, HPZ2879, une voiture immatriculée Ohio, d'aller regarder son véhicule puisque les phares sont allumés. Si vous comptez rouler ce soir, la batterie risque de vous lâcher. Merci. La suite avec. Ok, nous allons conclure notre service ce soir en chantant. Recevoir la bénédiction qui nous vient de la part de Dieu. Le 16 sur les feuilles là. Pour ceux qui ont les cantiques, regardez à la fin la table des matières, regardez plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Deux strophes, le premier et le quatrième. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le vœu de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi. Quatre, mon Dieu, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Dans le désert, j'ai vu plus près de toi. J'ai vu plus près de toi. Ton ciel ouvert. Bon courage. Pèler un bon courage. Ton chant brave l'orage. Puissant, créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Il viendra l'heure où vous n'y penserez pas. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne soient appesantis par les soucis de la vie. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Allez dans la paix de celui qui vous aime. Amen. Bonsoir. Pasteur, je vais vous inviter à venir le repas pour nous. Et on va passer à table. J'invite le service protocolaire. C'est le repas qui a été concocté pour ton peuple afin qu'il vienne à l'aide de la croissance de la chair et du sang. Permet donc que ce repas soit pour chacun de nous une possibilité de force, de vitamines et loin de nous toute intoxication. Bénis la source et la provision, les mains qui l'ont apprêté et ceux qui consomment au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde, ceci pourra le I need extra.
Mon collègue. Attends, je demande la mère. Non, ne fais pas le poteau, on a la mère, ça va s'embrouiller là-bas. Et mes grands, c'est un plaisir que nous avons avec ce soir. Je suis Medwana, juste la représentante de la réunion Balengu, et que vous voyez dans la salle avec les foulards au cou. Notre frère Mbassep, comme on l'appelle chez nous, Augustin, et la famille qui s'est réunie ce soir ici pour célébrer la vie de Maman Mafouwangi, me donne l'opportunité non seulement de vous réaccueillir après que les hommes de Dieu vous aient accueillis ce soir. Je prends donc le micro pour vous souhaiter une fois encore la bienvenue et sur ce, lancer pour ce soir ce qui est important, à savoir célébrer la vie de la maman de la manière ancestrale. Nous allons donc devoir accueillir l'entrée non seulement de la famille et surtout porter les lamentations au plus haut dans le sens beaucoup plus ancestral, et après nous allons lancer la musique de célébration de la vie de maman. Sur ce, et sans plus attendre, mes grands et mes grandes, nous tournons le visage maintenant vers cette porte d'entrée où nous allons recevoir le plus bonheur de tout le monde, la mère, maman, Mani, le micro. Merci beaucoup, maître Bran. On vient au deuil pour pleurer le deuil. Quand je vais entonner le deuil, vous allez sûrement dire parce que parfois même quand on entend, vous n'arrivez pas à dire Je vais commencer. Alors, pour vous, c'est Oh maman, je sais que boy, I will manage it. Oh, mama.
Assister la famille avec les billets de banque.
c'est parti pour les lamentations. En retard.
Merci de donner. Merci de paroter. Enchaînons, 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 enchaînons. À chaque sa chance.
Ceux qui sont dehors puissent entrer aussi par hôtel, s'il vous plaît. Entrez déjà, s'il vous plaît. Ne faisons pas trop attendre les orphelins. Thank you.
Thank you.
gris.